Mais pour l'instant, il nous dit le Rav, qu'il y en a qui ont un que qu'il faut rien que l'on étienne à la maison. Après, ils vont à la bête Knesset, et là, il y a quelqu'un qui dit la tout Birkot al et il rend qui tout le monde. Tout le monde, ils disent Amen, sans dire Baruch Hu, Et après, il y en a un autre, que lui qui dit encore aussi tout le Birkot al et tout le monde répond Amen. Ça veut dire que Ici, il ne faut pas penser à se rendre quitte. Parce que si tu penses à te rendre quitte, tu n'as pas le droit maintenant de, de faire la bracha. Hein, Qu'ils ont un minage de venir de, de, de toutes les, les, les brachotes, ils les font à la bête à Knesset. Il y en a qui disent, des poskim, des khakramim, qui disent que ce n'est pas bien, ce n'est pas, pas correct. Parce qu'il y en a des gens qui, sans faire attention, ils pensent à se rendre quitte. Mais maintenant, ils sont déjà rendus qui du premier qu'ils ont fait la bracha. Il a fait la bracha, j'ai à qui on est. Et après, quand maintenant, lui, c'est aussi pareil, aussi vous savez, c'est très 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 fréquent qu'on fait le, le halel. Quand on fait le halel, alors le rabbin de la Bédagrès, il dit tout le monde dit, quand on fait le grand halel, dans les, dans, les, dans les fêtes, où on est-il à Tloulav tout le monde dit Amen. Et après, il y en a qui répètent encore la bracha. Et si maintenant ils répètent la bracha, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème Parce que tu es déjà rendu qui durable. Et maintenant, tu refais la bracha Là, maintenant, c'est bracha le batala. Ainsi aussi, si, tu es, 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 es censé te rendre qui de, de celui -là qui l'a dit là, déjà, la, 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 la bracha. Tous les brachos du Bekotoshara. Et maintenant, toi, tu vas le dire encore une autre fois. C'est bracha le batala. C'est pour ça qu'il y en a qui ils disent ils ne font pas comme ça. Il dit qu'il n'y qu a aucun problème. Pourquoi Parce que celui qui fait les brachotes, il n'a pas l'attention à rendre quitte tout le monde. Il fait les brachotes pour lui-même. C'est pour cela, regardez, je dis entre parenthèses. Dans la Batek quand, quand, quand il fait la Tfila, il est au milieu de la Amida. et il y a le chalier Sibou, lui, il fait la kedusha parce que Baou Hachem, ils, sont, ils prient comme un TGV, il y en a que près de 3 minutes, ils ont déjà fini la amida ce pas le conseiller. Mais le minimum, c'est entre 7, 7 et 10 minutes. Je ne vais pas dire maintenant, tu vas faire un quart d'heure, 20 minutes. Ah entre 7 et 10 minutes. Et le bonhomme, il se trouve maintenant dans la Amida. et. Le Chaliat Sibur, lui, commence à dire Et toi, tu te trouves au milieu de l'Amida. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Continue ta Amida. Même que tu fais la amida, même que maintenant ils font la Kedusha, seulement, si tu sais que le Chaliat Sibur, il va penser à te rendre quitte. Sinon, si tu sais que maintenant, ils disent... Tu as entendu quelque chose Non, eh ben, tu pas rendu kit. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Comme un homme, lui, maintenant, il n'a pas le droit de s'arrêter au milieu de la ramita et d'écouter les, les oiseaux qu'il siffle, chante, tu n'as pas le droit aussi de t'arrêter, et tu pas rendu kit. Il y en a qui qu font, ils demandent à... Ou par exemple, ils font, ils font un petit signe à quelqu'un, il faut pas au milieu de la ramida, faire un signe. On peut faire un signe comme ça, suivant. Par exemple, il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui a fini déjà l'Amida. La toi, par exemple, tu as prolongé l'Amida. La tu peux prendre le talit, si par exemple tu as couvert la tête. Tu prends le talit, tu le mets comme ça, et tu fais, soit disant tu fais montrer que tu écoutes. Et celui-là qui est à côté de toi, il a compris. Il a compris que maintenant, il doit faire maintenant. La Kedusha, haute voix, il ne pas maintenant crier. Okay il veut, on n'a pas le droit de lever le, 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 le ton plus que le Chali cibo Comme il y en a qui font la Kedusha, et. Kadosh, il crie, Kadosh. Mais le Chali lui, maintenant, il va penser à rendre quitte les autres. Et le, on parle de quelqu'un, que lui, qu'il est compétent, un Chali qui est le compétent, mais malheureusement, il y en a des gens qui crient Kadosh, Kadosh. Et puis maintenant, ceux-là qui pensent à se rendre quitte, ils peuvent pas se rendre quitte. Pourquoi Parce qu'il y en a qui crient. L'atfila, il faut apprendre qu'est-ce que ça veut dire, l'atfila. Alors maintenant, celui-là qui est à côté, il fait comme ça avec le talit, et il pense son oreille, l'autre il a compris, il fait la naglisha, et il pense à se rendre kit, et lui il pense à se rendre kit. Il pense à rendre kit, et lui il pense à se rendre kit. Mais si c'est pas ainsi, continue ta l'atfila. Si tu te trouves dans un minyan, que Baou Hachem, c'est des TGV, Malheureusement, tu n'as pas le droit de t'arrêter, tu continues ta amida. Aval, le chaliat sibou, si maintenant lui, il pense à te rendre quitte. Alors, il n'y a qu'un problème. Toi, tu penses à te rendre quitte. Et lui, il pense à rendre quitte. Un chaliat sibou, il est censé de savoir tous les à Hachem et il doit penser à te rendre quitte. Et si toi tu comprends que le chaliat c'est beau, que c'est comme il y a des endroits, par exemple, dans le Stibel, le Stibel, il y a des endroits qui c'est un endroit que il prie tous les 10 minutes, un quart d'heure, Minhar, Vite, le chaliat c'est beau, toi tu, tu sais que lui il ne pense pas que je quitte. Puisqu'il ne pense pas à rentre quitte, qu'est-ce que tu fais Toi tu... Euh, euh, tu ne penses pas te rendre quitte. Tu ne penses pas te rendre quitte. Ok tu continues ta Amida ou tu continues maintenant si tu fais Hachem tu penses à dire Hachem Toi tu dis, toi tu dis. Ah, et tu ne penses pas à te rendre quitte. Alors, si maintenant le chalier Sibour, lui, il est compétent ici, c'est un rab, il connaît. Il connaît que Hachem lui, maintenant, il doit dire et penser à rendre quitte tout le monde, parce que sinon, ce n'est pas correct. Tu n'as pas fait tout le Shema entièrement. aval ah, bah, si maintenant tu toi, t es, t es sûr que le chalier Sibour, lui, il ne va pas te rendre quitte toi, tu dis Hachem Elohechem Emet. Et après, tu dis Emet v'yatsi ou Emet Via C'est ça, vite. Maintenant, on revient dans, le, dans, dans la, la chôte de... de ta chacha. Et là, puisque le chaliat Sibou, lui, ne pense pas à rendre qui tout le monde, il y a un problème. Comme ça, il dit Marana, Ashokhana, <coughs> <coughs> Excusez-moi. Mais et même, il y a aussi un chômime de Khovah. Les autres, ils ne pensent pas se rendre quitt. Ce n'est pas avec le chalier le si beau qu'il faut qu'il pense à se rendre quitt. Il faut que le, le kaal, okay? comme il dit le Mishnah Bura, vous savez que quand on rentre chez nous à la maison après qu'on a fait déjà la fila à Arvit, à betakneset. On a fait le qui On a fait le qui-douche. Dans la tuya, on a fait. En général, bien, comment tu rentres à la maison et tu peux rendre quitte ta femme Si elle n'a pas fait avis, si elle a aucun problème. Toi, tu rentres à la maison, tu es déjà rendu quitte de la Torah, parce que déjà tu as fait le qui dans la tuya et ta femme maintenant. Okay. Elle, elle est déjà tour de la Torah, et toi, tu es de la, es obligé maintenant de, 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 de faire le Kidouche, des Rabanan, avec le verre. Comment tu peux la rendre quitte Toi, tu as une obligation de la, des Rabanan, et elle, elle a une obligation de la Torah, tu peux pas la rendre quitte. Rabben Sion, il veut donner une explication, il dit tu dis quand tu rentres à la maison, tu dis Shabbat Shalom, alors c'est bon, elle, c'est considéré comme elle a fait le Kidouche. Maintenant, elle, elle est dérabanat. Toi, t'es Tu peux la rendre quitte. Ah ben là, le rab, le que lui, il contredit cela. Il dit, comment tu dis Shabbat Shalom, c'est considéré comme le, le Kiddush Non. Eh ben, tu peux quand même, t'as pas le choix. Et tu rends, et tu fais ton Kiddush, et c'est tout. Il y a aucun problème. Même que c'est un problème. Le Mishnah lui, lui, veut dire, et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Le Mishnah lui, lui, dit, est-ce qu'un homme, lui, il pense à se rendre quitte? Du qui de la Torah quand il fait la Tfila C'est très rare. Puisque tu n'as pas l'attention de penser à te rendre kit dans la Amida, dans la Tfila, mais là, tu n'es pas rendu kit. Tu as encore l'obligation de faire le qui de la Torah. D'après Marana Chouranaour, tu n'as pas pensé à te rendre kit de la Torah dans la Amida. Mais là, t'es encore obligé de faire le qui de la Torah et tu peux rendre qui ta femme. Il me dit le Rabb can mitkavnim beFeru shelo lazem b'Dechova velachen. Aminag b'aze yesodato be'aray kodesh. Vechen iskimu shara poskim vechen yikale maase. Si maintenant qu'il y quelqu'un qui n'a le minag de faire ainsi dans la beth aknesset, ils peuvent continuer. Okay. Parce que les gens, quand ils vont à la bête à Knesset, cette bête à et maintenant, ils commencent et ils font les brachot, les gens, ils ne pensent pas à se rendre quitte. Ils, font, ils vont faire les brachot, chacun fait les brachot. « Mishinichar er kol birkot birkot Un homme que lui qui est réveillé, il a fait la veillée, « comme ashar » on va faire la veillée de Shavuot, tout l'éveillé. Quelqu'un qui a été réveillé, il doit faire tout « birkot ashar » Même qu'elle okay. a servi le service de l'Afrique mais dit Laila tu n'as pas dormi tu n'entends pas le coq puisque l'alaha elle dit comme le harizal que l'alaha elle dit que on fait les brakots à shahar à la mine à gauche à parce que c'est le seul le mine d'après Aravad il y aussi on fait les quand à shahar ou c'est euh, pou on fait, ça, ça, l'ikol qui même qu'on ne met pas le cuir. Le soir, on met le, le cuir. Le matin, en avant on met le cuir. De, 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 euh, le soir, le matin, c'est avant. Alors, mais là, on fait la bohra pour cela. Un homme, que lui, qui est resté éveillé toute la nuit, il doit faire les birkot à chakra. Et après le chakra, quand est-ce le Shahra? On est 72 minutes avant le Nenets. Mais et avant l'autre avant il n'a pas le droit de faire la Bracha. Il faut qu'il attend à l'Ob. Et si maintenant il étudie la Torah, alors il peut faire Birkot à Torah quand il arrive l'aube. Mais comme à si maintenant il est dans un doute et il ne sait pas quand est-ce que c'est l'Ota Ashara. Aujourd'hui, Il faut savoir dans les calendriers. Ce n'est pas tous les calendriers, c'est des calendriers qui sont compétents. Il faut savoir. Faut il avoir... ouais, faut demander au rab, un rab qui est compétent, lequel calendrier qu'on peut se tenir en Eretz. C'est le calendrier de Rheim par exemple. Et si maintenant tu es au milieu de ton limoud, et bien plus ou moins tu regardes quand est-ce c'est est, est par rapport à, à le net. Quand tu sais clair que c'est à l'autre là tu fais la brachot, tu arrêtes d'étudier et tu fais les brachot à l'autre chaha. Entre parenthèses, je vous dis, après après le milieu de la nuit, si maintenant tu es dans la veillée, eh ben tu peux t'arrêter. Tu fais kriyat shema avant. Il faut savoir kriyat shema pour la nuit, c'est avant hatsot, quelques minutes avant la moitié de la nuit. Par exemple, on était des fois c'est une heure au moins vingt, une heure au moins quart. Et alors tu fais minuit, minuit et demi, minuit trente tu fais kriyat shema à kilo

Bien, on le fait après aussi. Il y en a qui font deux fois Kriyat Shema. À part la Kriyat Shema de la Tfila. Ils font aussi Kriyat Shema. Encore, pourquoi Pour se rendre qui Selon Rabinouta. C'est autre chose. Alors, en général, on fait quatre fois Kriyat entier. Le premier Kriyat c'est le matin. Il y a avant le Kriyat de de la tvila juste avant la tvila. Il y a encore un autre Kriya Chema des korbanot, On fait un Kriya Chema et ça est là-bas Après, on fait dans la tvila juste avant la hamida, Après, on fait la nuit à Arvit. Et après, on fait un Kriya Chema avant de dormir. On le fait entier. Hachem elokerem. Hachem elokerem Maintenant, avec ce Kriya Chema que tu as fait avant d'y aller dormir, pourquoi c'est bien, c'est conseillé de faire entier parce qu'en premier, il y a, selon une selon la Kabbalah, c'est considéré comme 248 000 membres, que tu purifies tes membres avant que tu vas dormir. Aval, selon aussi, à part la Kabbalah, il y a aussi, d'après les Mepharchim, d'après Rabinoutam, c'est comme ça il pense à Marin Jouranahour, dans Ré Saméhalem, là-bas, ils pensent que nous, on pense comme Rabinoutam. Que la nuit, vraiment la nuit, c'est après, 72 minutes après, la Shkia, okay. 72 minutes après, c'est ça le Tsetekaravim, c'est ça la sortie des étoiles. Des, des étoiles. Et mais là, d'après Rabbi Nuttam, tu n'es pas rendu quitte de Kriyat Shema la nuit. Alors comment tu vas faire ben bon, Il y en a qui refait encore une fois Kriyat Shema. Et il y en a que le Kriyat Shema de la nuit, avant dormir, tu penses à te rendre de Kriyat Shema de la Torah Faire le de la mena Torah. Et là, tu es rendu kit selon Rabinouta. Okay. Alors maintenant, quand tu fais un premier Kriyat Shema quelques minutes avant le chatzot Laila, la, la nuit, au milieu de la nuit, et après tu fais tous les biais, sauf les deux brachot de la Torah